Bonjour, je m'appelle Myrcini, je suis chez Animaneo depuis maintenant 5 ans. Je suis accompagnatrice en changement, coach en design thinking et facilitatrice graphique, entre autres. Alors, mes missions au quotidien, je suis actuellement en tant que coach design thinking dans la cellule d'innovation chez Orange. Donc encore pour une année et demie. Et mes passions dans cette mission, vraiment, c'est qu'on remet l'utilisateur au centre de nos expériences clients au sein des entreprises. Et ça, ça fait partie du cœur de nos métiers. À côté, donc, j'ai aussi cette casquette de facilitatrice graphique selon les besoins des missions des uns et des autres. Et à côté, voilà, je participe à tout projet échantillon interne, comme la préparation de nos prochains séminaires en juin, les animales, le partage, le retour d'expérience, de pratique, voilà, tout ce qui nous ramène et nous recentre chez nous et qui fait ce qui fait aujourd'hui l'effet Animaneo. Alors, chez Animaneo, j'ai appris vraiment qu'une entreprise peut être humaine et le collaborateur peut être son propre acteur dans l'entreprise. Chez Animaneo, j'ai eu l'occasion d'être portée, soutenue et montée en compétence à tout sujet très rapidement grâce à notre collectif et à l'intelligence collective. Là, c'est vraiment le premier levier de performance chez nous et ça, on le ressent au quotidien. Et humainement, collectivement, ça m'apporte énormément, c'est ma seconde famille, voilà. Mon meilleur souvenir, on en a plein, parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve, c'est une expérience, il faut le dire. Donc nous avons nos rencontres mensuelles et nos séminaires, mais je pense que ce qui m'a beaucoup plus marquée, c'était notre hackathon qu'on a organisé durant la période Covid. Bon, ça a duré 6 mois. On était tous à distance, on était isolés. Au sein d'une initiative en interne, on a voulu retrouver, réadapter nos offres et entretenir nos réactivités. Donc, même à distance, on crée des moments et on est arrivé à recréer des nouvelles offres adaptées à cette période-là. Comment donc animer les collectifs à distance et comment ne pas perdre cette innovation et cette capacité d'adaptation auprès des nouvelles entreprises, des startups et d'autres managers. Nos valeurs et ce qui nous définissent chez Animaneo et que je trouve que ça peut faire la différence, c'est vraiment le fait qu'on met l'humain au centre. On ne cherche pas vraiment les compétences et des profils hyper structurés et experts. On cherche des humains avec un bagage d'expérience riche qui peut nous apporter sa vision, sa façon de faire, son savoir-être, son savoir-faire sur tout un éventail en fait, de compétences autour de nos métiers. Nous ne nous considérons pas comme une boîte de conseils, mais plus des copilotes de changement. Donc la collaboration, la solidarité, sont nos valeurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre.